Mon secret food pour rester en forme, c'est les amandes. J'en ai toujours sur moi et donc dès que j'ai un petit creux ou voilà, j'ai besoin d'un regain d'énergie, et ben j'ai ma petite dose d'amandes. Mon plat réconfortant quand je suis fatiguée ou quand j'ai un coup de mou, c'est les pâtes carbonara. J'adore ça. C'est pas très healthy, mais c'est mon plat préféré. Ma madeleine de Proust, les bonbons. Pareil, je suis assez accro aux bonbons, mais parce que je mangeais beaucoup de bonbons chez ma grand-mère. Mes parents ne nous autorisaient pas beaucoup les bonbons, mais alors ma grand-mère, elle nous en donnait plein en cachette. Les crêpes. C'est pas vraiment un plat, mais ouais, je demandais toujours à ma mère de me faire des crêpes. Il y a toujours dans mon frigo, je dirais, des fruits et des légumes, parce que vraiment, je peux pas m'en passer. Enfin, j'ai pris l'habitude d'en manger toujours, dans tous mes repas. Et oui, j'aime ça. En cuisine, je m'inspire de mes voyages. Ma mère cuisine d'une manière finalement très simple. Et donc, je découvre d'autres saveurs à travers mes voyages. Et après, j'essaye de reproduire un peu dans ma petite cuisine d'étudiante. Ma cuisine favorite, elle est italienne et ouais, française aussi, mais italienne surtout. J'ai des origines italiennes et du coup, j'ai toujours mangé des plats italiens chez ma grand-mère. Et voilà. Ma boisson préférée, c'est le jus de fruits pressés et la citronnade. Ouais, j'adore me faire une petite citronnade le matin, ça réveille, c'est détox. Voilà. Alors, je suis pas une grande cuisinière, ça je vous l'avoue. Et je pense que tout le monde, voilà, mes amis et ma famille pourra témoigner. mais j'arrive à peu près à faire des tartes salées. Voilà. C'est le seul plat que... je sais pas si on peut appeler ça un plat. Enfin bon, je cuisine des tartes salées et elles sont pas trop mauvaises. Il y a deux aliments dont je suis addict, donc vous allez rigoler. C'est la mozzarella. J'adore la mozzarella. Alors je sais que bon, c'est pas toujours la bonne période pour la mozzarella, mais moi j'en mange toute l'année. Et j'aime le chou rouge aussi. C'est un peu bizarre, mais j'adore, ouais, j'en mange souvent. Mon cheat meal préféré, la glace. Glace, tout ce qui est glace à la crème, enfin, donc caramel beurre salé, vanille noix de pécan.